non! Pas encore! Boulet! Ben, qu'est-ce qui se passe? T'as reçu la facture de mon portable? Non, c'est Aldo. Il a encore fait à côté de sa caisse et je sais pas pourquoi ça me bouleverse. Ben, c'est peut-être parce que tu nettoies des flaques d'urine 3 fois par jour depuis 6 mois. Oh, c'est pas ça. Tu devrais trouver un truc pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut faire dans la litière. Ouais, ok, je vais m'y coller. Bon, je te laisse, je suis en retard. Ciao! Pas devant, pas derrière, dedans, ok? Allez! Oui, bien, c'est un bon chat ça! Boulou boulou, tu vas y arriver! Boulou 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 boulou, continue! Tu peux le faire! Mais pour toi, j'ai toujours une petite minute. Vas-y, je t'écoute. Ben, j'ai une galère avec mon chat. Toi qui as un chien un peu... original, tu pourrais peut-être me donner des conseils? Je connais un comportementaliste, une sorte de psychologue pour animaux. Il fait des miracles. Et tu as ses coordonnées? Évidemment. Bon, et si tu m'expliquais un peu la situation? Voilà. Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision, la vision d'un pantalon. Je me suis levée au milieu de la nuit pour dessiner le patron. Et dès le lendemain matin, je l'ai fabriqué. Il était démentiel, avec des pompons dans le bas et tout. Franchement, sans me vanter, j'étais super contente de moi. Mais quand je suis arrivée au collège... Regarde! Oh, ah, hé Lou, on se déguise? C'est mardi gras ou quoi? Chez les clowns, on dirait. Complètement grotesque, les pompons. Ça va? Non, j'en ai marre qu'on se moque tout le temps de mon look. J'ai une solution. Ça t'intéresse? Son idée, c'était de me traîner dans une boutique pour que je m'achète des fringues normales. Comme ça, plus personne ne se moquera de toi. Des fringues normales, moi, t'imagines? Bah, pour être tout à fait franc, non. Bref, Mina a quand même réussi à m'emmener faire du shopping. Tiens, ça c'est un petit haut normal. Je confirme, je le porte presque tous les jours et personne ne l'a jamais remarqué. Allez, essaie-le. Je sais pas. Hé Lou, tu rêves? Ton téléphone. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas le croire. Un comportementaliste va venir examiner Roudoudou. Tu penses qu'il va réussir à résoudre ce problème de fuite? J'espère bien. Je te laisse, le voilà. Bonjour, je suis Jérôme, mais pas de chichi entre nous, vous pouvez m'appeler maître. Bonjour. Alors, où est votre petit Félis Sylvestris Catus? Votre chat. Ah, Hulk, il fait un somme. Alors? Votre petit félidé présente un profil prognato récalcitrant, à tendance urino-anarchique, tout à fait bénin. En langage profane, cela signifie que ce petit gredin fait pipi à côté de sa caisse et ce de manière assidue. Oui, ça je sais.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver une solution, je ne le supporte plus. Eh bien, je vais tenter une dominantothérapie à déduction cognitive pour qu'il lâche ses tendances anarcho-désobéissantes. En langage profane, il faudra compter 75 euros. Ah oui, quand même. Il faut dire que je prends des risques. Comme vous faire uriner dessus, par exemple. Où puis-je me changer, s'il vous plaît? Dans la salle de bain. Ne craignez rien, c'est moi. Grâce à mon allure de chat dominant, votre bronne de nuit va comprendre que ce n'est pas lui qui décide. Avec moi, il va la respecter, la laitière. Ce jour-là, Mina a dû me montrer, je sais pas moi, au moins une centaine de fringues. Et cette jupe-là, tu ne veux pas l'essayer? C'est notre modèle le plus normal. C'est bien simple, toutes les filles le portent. Écoutez, je sais pas. Bien, prenez votre temps surtout. Excuse-moi. Oui? Je suis Caroline Villeroy, l'assistante de John Pierre. John Pierre? Le John Pierre? Tout à fait, the créateur de mode, l'inventeur du sac à main jetable et du sous-vêtement réversible. Waouh! Dis-moi, trésor, d'où sortit cette merveille de pantalon avec les pompons coordonnés, là? C'est moi qui l'ai fait. Waouh, fabuleusement glam chic. Oh, vous savez, là, c'est juste un prototype. Si vous voulez, je peux vous en montrer un encore plus abouti, encore plus original. Vraiment, je suis impatiente de voir ça. Voici ma carte. Rendez-vous ici demain à la même heure. Allez, ciao, ciao. Cool, ça prouve que tu as du talent. Attends, c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne m'inquiète pas. Et maintenant, admirez le résultat. Bien. Il serait peut-être temps de songer à translater votre enveloppe charnelle dans un autre espace dimensionnel. En langage profane, ça veut dire « sortez de chez moi ». Attendez, il reste encore un espoir. Parfois, c'est en soignant le maître qu'on guérit l'animal. Parlez-moi un peu de votre petite enfance. J'adorais les bonbons, surtout ceux enrobés de chocolat en forme de pompe à essence. Non, je voulais dire, parlez-moi de ce qui a pu vous traumatiser. Ah, tu te rends compte? John Pierre, c'est lui qui a habillé Sarah de Manhattan, t'imagines? Trop fort! Tu m'étonnes. Je ne voulais pas rater cette occasion. Il fallait que je me surpasse. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis surpassée. Le lendemain, je suis allée au rendez-vous et là, j'ai poireauté au moins une heure. Désolée, j'étais overbookée au showroom. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, c'est le nouveau modèle. Mais non, 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 c'est pas possible. C'est vraiment trop la loose. Ces fleurs-là, c'est grotesque. Je suis désolée, mais cette faute de goût est impardonnable. En fait, cette Caroline-là, elle m'a carrément volé mon modèle de pantalon à fleurs. Voilà pourquoi il est en vente chez Frims. Écoute, faut voir le bon côté des choses. Maintenant, tu sais que tu peux créer des fringues à la mode et c'est ça le plus important. Ouais. Allez, déprime pas, quoi. Bon, faut que je te laisse. C'est l'heure de mon cours de guitare. Bye. Ben, ok. À plus. Je ne me souviens plus très bien. J'avais peut-être 3 ou 4 ans. C'était à Mortebouze, chez mes parents. J'avais un chat. Il s'appelait Nexus 6. Un jour, pendant un repas de famille, le chat a fait pipi dans la cuisine. Je n'avais pas vu la flaque et j'ai glissé dedans. J'en avais partout sur ma robe. Ma mère a cru que je m'étais fait dessus. Elle m'a prise par la main et... elle m'a grondée. Elle m'a humiliée devant toute la famille. Tiens, c'est bizarre. Je me sens beaucoup mieux tout à coup. Non, non.
Ça dépasse les bornes. Et encore merci pour tout. Ce n'est rien. Je n'ai fait que mon boulot. Au revoir. On dirait que ça s'est bien passé avec le comportementaliste. Impec. Et toi, ça va? Je viens d'acheter du tissu. J'ai plein de coutures à faire. Mais c'est quoi ce délire? Maurice fait toujours à côté. Je sais, mais là, tu vois, je m'en fiche complètement. T'as vu ça? Les franges. Ouais, trop ringard. Complètement grotesque. Super, Lou. Désormais, la bave de ces deux crapauds ne t'atteindra plus. Exact, les amis. Parce qu'en fait, vous savez quoi? J'ai compris un truc. Je m'en fiche d'être à la mode. La mode se démode, le style jamais. Ouah, c'est bien dit ça. C'est de toi? Non, de Coco Chanel. Et je suis d'accord avec elle. C'est sympa, Lou, mais cette année, mon anniversaire, ce sera sans moi. Hein? Mes parents, le divorce, tout ça, je sens venir le truc. Tu vois, genre, ils sont là, tous les deux, autour du gâteau, à vouloir m'organiser la fête parfaite, et puis paf, ils se mettent à se crier dessus. Je les connais par cœur, tu sais. Tu dramatises pas un chouïa, là? J'ai réservé le meilleur karaoké de la ville. Il y aura un buffet et une fontaine de jus de fruits exotiques. Exotique, ça? Tu as toujours aussi peu d'imagination, mon pauvre Robert. Bon, ok, tu dramatises pas. Une pluie de pétales de rose. Ah, Mina, tiens, dis à ton père que le karaoké, c'est ringard. Tu ne trouves pas que l'éléphant, c'est pour les bébés? Stop! J'en ai marre d'être au milieu de vos disputes. Et c'est pas la peine de prendre mon anniversaire comme prétexte. Parce que cette année, je ne veux pas de fête. Je veux être tranquille et seule. Enfin, ma chérie. Eh bien, bravo, tu es fière de toi, j'espère. Ma louloute, on ne peut pas forcer les gens à faire la fête s'ils n'en ont pas envie. Mina, on aurait envie si ses parents étaient moins cinglés. T'aurais vu ça, ils sont partis dans une dispute pour une histoire d'éléphant et de jus de fruits. Ah, ils vont se calmer, il faut un peu de temps. C'est comme pour la sculpture. Avec du temps, je devrais pouvoir y arriver. Ouais, mais du temps, là, en l'occurrence, j'en ai pas. C'est demain son anniv, Mina. Il suffit d'un peu d'imagination et on arrive à tout surmonter. Bon, il n'est pas fini, mais il va être superbe. Et puis l'important, c'est d'essayer, hein? Allez, ma vieille, déprime pas comme ça, franchement, tu vas pas rester toute seule, c'est glauque. J'ai Jean-Pascal pour me tenir compagnie, c'est encore plus glauque. Allez, viens à la maison, on se fait une pile de crêpes et on écoute de la musique. T'es partante? Mince, la tuile, mon père va passer à la maison pour me donner mon cadeau. Et ma mère qui a pris son après-midi va débarquer elle aussi. Bon, ça marche pour les crêpes, je leur dis que je suis chez toi. Je ne veux plus les voir et surtout pas tous les deux ensemble. Oh. Joyeux anniversaire, Mina. Tu voulais pas de fête d'anniversaire avec tes parents, alors je me suis dit qu'une petite fête entre nous. Waouh, c'est vraiment super. C'est la première fois que je le fête sans mes parents, ça fait bizarre. T'en fais pas, Mina, ça va s'arranger. Faut leur laisser le temps de digérer tout ça, ça arrive les disputes. Moi aussi, tu sais, bah, parfois je crie fort contre le loup. Il y a d'autres invités? Bah, non, ça doit être Gino et le super gâteau d'anniversaire. Mina est ici, je crois.
désolée, je ne pensais pas jouer les troubles fêtes. Ma chérie, je m'en veux terriblement de m'être disputée comme ça avec ton père au sujet de ton anniversaire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu me pardonnes? Si je peux me permettre, j'ai une super idée. Vous n'avez qu'à utiliser le super truc dont on se sert, Lou et moi, pour se réconcilier. Le gage musical. Efficacité garantie. Mais faut vraiment être prête à tout. Je suis prête à... tout. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Super! Ouais, ouais. Le flow est poussif, c'est pas en rythme, mais bon, t'as fait de ton mieux. Allez, tu peux rester, tu es pardonnée. Bon anniversaire, ma petite fille. Enfin, ma grande fille, devrais-je dire. Après MC Joss, la maison vous propose un grand tournoi du jeu le plus formidable du monde dont je suis la record woman intergalactique avérée. J'ai nommé le Twister. Buongiorno, vous venez pour la fête d'anniversaire? Une fête? Quelle fête? Ma, c'est fantastico! J'ai une monde de fou au restaurant, je vous confie les tiramisu, ciao! Une fête d'anniversaire? Lou, bellissima! Si, le tiramisu est prêt, il vient juste de le donner au papa de Mina! Au papa de Mina? Main droite sur verre! Richard, tu viens chercher le gâteau avec moi? Robert, le père de Mina, arrive. Il ne doit pas voir Joss. Sinon, ils vont encore se disputer et Mina aura le pire anniversaire de toute sa vie. Alors tu vas dans ton appart et tu le décores. On va faire une deuxième fête d'anniversaire. Mais on fera croire à Robert qu'il n'y en a qu'une seule. Et je vais tout faire pour le retarder. Allez, go, go! Robert! Oh, quelle bonne surprise! Comme cette fête d'anniversaire. On y va? J'aimerais voir Mina. Vous savez ce que m'a raconté Mina un jour? Il paraît que pour l'anniversaire de ses 4 ans, vous lui avez offert un... Sauf qu'elle n'a pas compris, normal, elle avait que 4 ans. Mina m'a aussi raconté la fois où vous étiez partis au bord de la mer tous ensemble et que vous avez voulu lui apprendre à nager. Il faut dire que vous étiez un sacré père. Et ce jour où... Et ce jour où... Bon, ben alors on y va à cette fête d'anniversaire ou quoi? En avant! Vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi souple? Non, c'est par ici. Ma jambe, elle est ici à l'envers, non? Mais c'est la voix de ta mère, non? C'est que... elle est prof de yoga maintenant. Elle nous rejoint après son cours. Ah! Une crampe! Je sens plus ma jambe! C'est original. Oui. Oui, j'ai donné tous les documents à Edwige avant de partir. Je retourne en face. Comment ça? À tout de suite. Ne me laisse pas tout seul. Je n'ai rien à lui dire, moi. Il a l'air grognon comme ça, mais quand tu le connais mieux, il est toujours aussi grognon. On s'y fait. Ma jambe, surtout ne pas céder. Continuez. Main gauche sur jaune. Mina? Pied droit sur le bleu. Qu'est-ce qui se passe? Mina, c'est la cata. J'adore ce jeu. Bon, j'abandonne. Trop forte, ta mère. C'est quoi ces messes basses? Il ne faut pas que mes parents se rencontrent, sinon ils vont croire qu'on a tout organisé dans le dos de l'autre et ça va être la guerre. Qu'est-ce qu'il y a? On ne joue plus? Vous me cachez quelque chose. Allez, poussez-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est que... il est très mauvais perdant, alors il est retourné chez lui. On aurait dû lui présenter Robert, alors. Pardon, ma chérie, je vais arrêter de parler de ton père comme ça. Essaie toujours, mais tu sais, je ne suis pas en sucre. On refait une partie? Tu viens? On a évité la catastrophe. C'est quoi la suite du programme? Trouve un moyen de faire diversion. Joss doit rester ici pendant qu'on va à l'autre fête d'anniversaire. Il faut faire vite. Je sais pas combien de temps Richard va tenir avec Robert. Vous travaillez dans la pub? Vous vendez des disques? Je prépare aussi une thèse sur les fabliaux italiens du Moyen-Âge. La poésie. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Ah, ça. Bon, alors, pour le gâteau, pendant que tu allumes les bougies, nous, on s'occupe de Mina. Quand tu entendras le mot secret, tu viendras nous retrouver. Ce mot, c'est, turboréacteur. Joss, eh oh, tu m'écoutes? Quoi? Oui, j'ai compris, turboréacteur. Vas-y, je te rejoins. Je
Je ne peux pas laisser cette chambre dans un état pareil. Yes! Une fête d'anniversaire! Cool! Mina, aujourd'hui c'est ton anniversaire. C'était pas très sympa que je me dispute avec ta mère. Excuse-moi, je suis prêt à tout pour me faire pardonner. À tout? Vraiment? Cherche pas à comprendre. Quand tu recevras un texto avec le message Go, fais le plus de bruit possible. Richard, tu veux bien être le coach de mon père pour son numéro? Et comme ça doit être une surprise, on vous laisse répéter tranquille. Bah alors, maman, qu'est-ce que tu fabriques? Ma chérie, j'ai honte. Mais Emma a été tellement gentille d'organiser ta petite fête. C'est mieux comme ça, non? Allez, hey, on passe au gâteau et au cadeau? Un numéro musical, mais qui lui a mis ce genre d'idée en tête? Je ne sais ni chanter ni jouer d'un instrument, moi. Allons, allons. C'est peut-être juste que vous n'avez jamais essayé. Allez, soufflez là-dedans. C'est bon. Je vais vous montrer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mina. Tu ouvres tes cadeaux? Il fait agenda et organiseur électronique. Je vais le découper. Maman, empêche-la de toucher au gâteau, on en a besoin pour chez Richard. Mina, remballe les cadeaux tout de suite et il faut trouver une nouvelle occupation à ta mère. Je n'arriverai jamais à faire un numéro. Je n'ai aucune fantaisie. Je n'ai pas de passion à part mon boulot. Je suis très ennuyeux. Étonnant que ce se soit mal passé avec ma femme. Mais Jean-Pascal, bon sang, j'aurais juré entendre mon chien. Vous savez, il arrive que pendant une rupture, on ait parfois des hallucinations auditives. Ça m'est arrivé. Foutaise. Ah, mais si, je vous promets. Ça a commencé un jour où il pleuvait. Je me souviens, j'avais décidé d'aller au zoo. Sono tanto contento pour la bambina Mina. C'est tellement mieux malgré su separazione d'être venue avec son marito. Quoi? Robert est ici? Allô, Lou? Bon, et si on laissait à Robert le temps de peaufiner son numéro, hein? Mais pas de mais. Allez, bon travail. Peaufiner le numéro? On n'a même pas commencé. Faut qu'on rusé. Mouflon espiègle? Où est Robert? Vous vous êtes bien fichu de moi. Oui, mais tout cela ne serait jamais arrivé si papa et toi étaient un peu plus civilisés et si vous pouviez passer plus de 5 minutes sans vous disputer. C'est vrai, mais je me suis déjà excusée et... Ne me dis pas que Robert est chez Richard. Et ils ne se sont pas encore entretués? Racala, rigola, eureka. Masmola, Rikita, Karamba! C'est ça, votre numéro? Non, c'est la danse rituelle du camp de scout où Mouflon Espiègle et moi avons passé tout un été. Le même camp de scout, vous vous rendez compte?
J'ai bien aimé ton CD de flûte de pan, mais franchement, niveau musique, je préfère la guitare sèche, tu vois. Ce serait pas parce que Tristan joue de la guitare sèche, par hasard? Oh, bah ouais, peut-être bien, oui. Hé, hey, Lucien. Salut les filles. Et au fait, joyeux Halloween. Ah, non. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Halloween. J'avais réussi à l'oublier quelques minutes, mais voilà, le cauchemar recommence. Oh, pauvre petite chérie, je voudrais pas t'inquiéter, mais après il va y avoir Noël, le premier de l'an, les vacances scolaires, et pire encore, ton anniversaire. Tu comprends pas, c'est pas Halloween qui m'inquiète, c'est Halloween organisé par ma mère. C'est simple, depuis que je suis née, chaque Halloween c'est la même chose. Ah, c'était pour rire, ma louloute. Ma mère est à fond dedans. C'est Halloween. Alors forcément, à la longue, ça lasse. Ah ! Ben alors, louloute, c'est Halloween, quoi ? T'exagères pas un peu ? Tu crois qu'elle changerait de costume, en plus ? Ben non. Yeah, les filles, c'est Halloween ! Ils avaient eu la frousse, hein ? Et attendez, c'est que le début. Alors, au programme de ce soir, bon bec à gogo pendant qu'on se raconte des histoires totalement terrifiantes. Sans oublier le clou de la soirée, la nuit des zombies 1 et 2 en collector total hémoglobine non censuré. Oh. Tiens, ton CD de flûte de pan. Alors, t'en dis quoi, ma louloute? Maman, je préfère être sincère, tu sais, tes fêtes d'Halloween, elles sont très chouettes, mais elles me font plus peur du tout. Ah, mais... Il est tard et il faut que je vous laisse. Bon, bah, à demain. Salut. Bon. Amusez-vous bien. À plus. En plus, après-demain, j'ai contrôle d'espagnol et la note compte pour tout le trimestre. Alors ce soir, c'est pizza et révision. Prenez garde, monsieur. Vous avez perdu votre bras. Au secours! N'ayez pas peur, mademoiselle. Les zombies craignent le soleil. Oui, mais aujourd'hui, il pleut. Maman, t'es réveillée? Ben, maintenant oui. T'entends, il y a quelqu'un qui joue du violoncelle? Non. T'entends pas? Si, mais c'est pas du violoncelle, c'est des violons. Ouais, ok, bon ben en tout cas, moi j'ai sommeil, alors il faut trouver qui c'est et lui dire d'arrêter. J'ai trouvé, ça vient de là. L'appartement d'à côté, mais il est vide, il n'y a pas de locataire. Si ça se trouve, il y a un musicien qui s'est installé dedans. Bah, ben on n'a qu'à lui demander gentiment d'arrêter. Youhou ! Hé, hey, vous ne pourriez pas remettre votre répétition à demain, s'il vous plaît ? C'est fermé. Tu veux pas aller prévenir la gardienne ? Je reste là pour parler au musicien si jamais il se décide à ouvrir. Ok, j'y vais. Hé, dis donc, Miss Tinguette. C'est toi qui joues du violoncelle? C'est pas du violoncelle, c'est du violon. Et puis vous voyez bien que c'est pas moi, non? Ouais, c'est pas une preuve. À quoi elle sert cette cage? À rien. Un bon taxidermiste est un orfèvre du poil. Regardez. Je ne prête plus devant tous des bouchéviers après 10h du soir. Ça suffit. Mais c'est pas pour ça, madame Schurme. Désolée de vous déranger si tard, hein, mais il y a quelqu'un qui joue de la musique dans un appartement au 4e. Quoi? Je vais lui dire ma façon de penser à ce yéyé. Ben, c'est pas vraiment un yéyé, hein, il joue du violon. Du viol? Du violon? Ben oui, je pensais que c'était du violoncelle, mais en fait non, c'est du violon. Léonide Bigalski, bigre, il ne faut pas y aller. Hein? Mais, hé, hey, attendez, c'est qui Léonard Bidulski? Personne, mais il ne faut pas y aller. Ah ben alors là, c'est ce qu'on va voir. Il est tard et je veux dormir, moi. Bon, je vais m'en occuper. Non, n'y va pas. Mais enfin, ils sont tous dingos dans cet immeuble, c'est pas possible. Youhou! Allez, ça suffit maintenant, ouvrez. Rien à faire. Hé, hey, le musicien, je vous préviens, on entre. Il y a quelqu'un ?
C'est fou, ça. Ça venait bien d'ici, pourtant. Faut croire que non. Ah ! Bon, alors, vous l'avez vu ? Qui ça, truc Machinski, là ? Léonide Bigarski. N'écorche pas son nom, malheureuse. Oh non, ça va pas recommencer avec cette histoire idiote. Ah, tu le connais toi aussi, mais c'est qui ? C'est la légende de l'immeuble, un truc complètement bidon. Il paraît qu'il y a longtemps, un soir d'Halloween, un violoniste aurait été enfermé... Emmuré, pas enfermé, emmuré vivant dans une des caves de l'immeuble par son voisin de palier qui n'en pouvait plus d'entendre son violon. Et une nuit de pleine lune en plus. Blablabla, on m'a déjà raconté cette histoire quand j'ai emménagé. Figure-toi que notre appartement serait celui de l'assassin et que sa victime, Léonide Bigalski, aurait habité ici. Vous ne devriez pas prendre cela à la légère. N'empêche que d'après la légende, le fantôme de Léonide reviendrait se venger à chaque conjonction entre Halloween et la pleine lune. Oh. Bon, ben moi je vais me recoucher. Mes amitiés au fantôme. Oh. C'est lui, c'est le fantôme. Il est sur le toit maintenant. Oh, je commence à en avoir ras-le-bol. Il y a un idiot qui nous fait une blague. Voilà la vérité. Eh bien, il va m'entendre. Non, n'y allez pas. Il veut nous attirer pour assouvir sa vengeance. Reste ici, ma poulette. C'est trop dangereux. Bouh, j'ai peur. Le méchant revenant va m'emmurer. C'est horrible. Oh là là, j'ai les super chocottes. Maman, t'es sûre que tu veux y aller? Coucou, alors où il est, l'afro-poltergeist? Maman, t'es là? Maman! Maman! Réponds! Et voilà! Quelle misère! La prophétie va s'accomplir! Léonide va se venger! Oh, mais vous, ça suffit avec vos histoires à la noix! Il y a forcément une explication rationnelle! Maman a dû prendre l'escalier de secours, c'est ça, elle a dû rentrer! Maman? Maman? Elle est pas là? D'après la légende, le fantôme tient à se venger là où il était emmuré vivant. Dans les caves. Dans les caves? Mais... Écoute, si tu veux retrouver ta mère, il faut y aller. Je rêve ou quoi? On se croirait dans un mauvais film d'horreur. On ferait mieux d'appeler la police. Un soir d'Halloween? Jamais ils ne nous croiront. Non, fais-moi confiance. Il faut aller à la cave. Et vite! Là, surtout reste bien derrière moi. J'ai une protection contre le mauvais œil. Une patte de poulet? Merde, c'est dégoûtant. Peut-être, mais voilà 30 ans que je sors les poubelles le soir et je n'ai jamais eu de pépin. Qu'est-ce que vous fichez là? Non mais dites donc, et vous d'abord? Je chasse les rats, bien sûr. Ah, c'est pour ça les petites cages. Exact, et ce soir j'ai rien pris. Avec la petite du quatrième qui joue de la cornemuse dans les caves, c'est pas étonnant. Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas moi. Et en plus, c'est du violon. À d'autres, allez. Je vais relever mes pièges à pigeons sur la terrasse. Allez ma petite, on y va. Reste là, ça vaut mieux. Moi, j'ai ma patte de poulet protectrice. Mais... Allez. Oh, Léonide Bigalski.
Merci à Lucien, violoniste amateur, spécialiste en effets spéciaux, sonores et visuels, et à Madame Schurm, comédienne de talent. Et l'ancien avec ses cajaras? Ah non, lui ce n'était pas du tout prévu. D'ailleurs, j'ai eu une de ses frousses en le voyant. Pas autant que moi en voyant le fantôme. Quand même, vous êtes givré de m'avoir filé une trouille pareille. Oh, allez ma louloute, c'est Halloween quoi. Salut Richard, maman est sous la douche. C'est toi que je viens voir. Tu sais que ce soir, les icebergs de Fleckefjord jouent contre les caribous de Novokouznetsk en finale de la Coupe du Monde de curling? Ben, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais en fait, j'ai déjà autre chose et... Rassure-toi, tu n'es pas invité. Hein? J'y vais avec mon neveu de Superchevel. Pépo? Oui, il arrive par le train de 12h30, mais je dois bosser au magasin. Je me disais que... Que je pouvais aller le chercher et m'occuper de lui cet après-midi? Oui. Ça marche. Super sympa, Lou, merci. Y a pas de quoi. Hey, tu te souviens de Pépo, le neveu de Richard? Il est de passage en ville. Je vais faire guide touristique cet après-midi. Tu viens avec moi? Impossible. Tristan m'a invité à faire une partie de jeu de rôle. Tristan t'a invité à quoi? À faire un dragon et donjon. Un jeu de rôle à l'ancienne avec des papiers, des dés et tout ça, quoi. Il savait que j'étais fan, alors... T'appelles qui? Tristan. Moi aussi, je veux jouer à votre jeu de rôle, là. Jeu de rôle. Tu sais, ma louloute, si tu ne connais pas les règles, tu risques de t'embêter un peu. Ça va, je suis pas complètement débile. Je peux les apprendre, les règles, et puis tu m'aideras. Bah, ça me serait difficile. Dans le jeu de rôle, c'est le personnage que tu joues qui décide des choses. Ça s'appelle le roleplay. Allô? Ah, salut, c'est moi. Dis, je me demandais si pour le jeu de rôle, si je peux m'incruster. T'es rôliste, toi aussi? Hein? Ah, oui, je connais bien wagon et donjon. Dragon. Ben oui, je sais, c'est une petite blague de rôliste, mort de rire, hein. Bon, écoute, si tu veux que ma mère vienne, moi je viens aussi, c'est un lot, à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Dans ces conditions, j'accepte. Ok, super, t'es un amour. Et voilà. Et Pépo? Oh, salut, tu vas bien? Ouais, super, dis, qu'est-ce que tu dirais de passer l'après-midi avec un garçon super sympa? Pépo, je suppose. Salut. Moi, c'est Mina. Lou a un empêchement, elle ne pourra pas être avec toi cet après-midi. Ah, ok. Bah, elle aurait pu me prévenir tout de même. Me passer un coup de fil pour me dire qu'elle m'envoyait une vague copine. Eh oh, ça va, on se calme. Mais d'abord, je suis THE copine. Nina, c'est ça, hein? Mina avec un M comme dans mufle. Sympa, le comité d'accueil. Un garçon super sympa. Bon, on va commencer par se présenter. Allez, tour de table. Je suis Grimm, magicien niveau 11, chaotique neutre, mais sympa quand même.
Mi-nain, mi-humain, mes communautés m'ont injustement repoussé, mais j'ai été recueilli par Nartawak, la semi-liche vampire de la presqu'île de Kar, qui m'a appris tous ses secrets. Ok, Gilles. Eh, c'est quoi ce délire? Il a pété un plomb, Gilles, ou quoi? Non, il est dans son personnage. C'est ça, le roleplay. À toi, Léo. Je suis Olaf Darkström, paladin niveau 15. Loyal, bon, évidemment. Humain, géant roux au cœur d'or. J'arrive des contrées du Grand Nord et ma hache à double tranchant sert deux causes. La justice et... la justice. Tu l'as dit deux fois? Exact, mais j'ai deux tranchants. Je suis Kernael de Gorfenek, elfe guerrière chaotique, bonne, de niveau 13. Archère aussi belle que redoutable. Mon village a été rasé par les sbires de Stog le Maudit. J'ai une vengeance à accomplir. Oui, abat Stog le Maudit. Ben, et moi alors? Comme tu n'as pas trop l'habitude, tu seras Griboulette, une gnome voleuse de niveau 2. C'est quoi un gnome? C'est comme un nain, mais plus petit, et puis sans barbe. Les gnomes, c'est vraiment de la vermine. Du calme, Kernael. Je sais que les elfes et les gnomes se détestent, mais pas de racisme. Alors, t'as prévu un truc pour déjeuner? Pizza, ça te va? Super raffiné. C'est ça ou la diète? Griboulette vous a montré le chemin de la citadelle de Zorbinel. Là, vous devez vous emparer du grimoire d'Arnacan pour contrer la malédiction de Stog le Maudit qui a promis la mort et la misère dans les 9 comtés du royaume de Krull. Vous approchez de la citadelle, mais le pont-levis est gardé par 5 gargouilles vampires. Griboulette, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais leur jeter des pierres. Eh, hey, roleplay les gars, on est en donge. Griboulette peut faire ce qu'elle veut. C'est parti. Elle m'attaque là? Ok, je lui lance une pierre. Très bien, vas-y. Lance un D20. 2 plus 3 bonus, ça nous fait 5. C'est quoi ton taco? Mon quoi? Ok, 20. Ça nous fait CA8. Raté. Et 6, 11, plus 3 de magie, 14, plus 2 de force, 16, plus 3 de spécialisation, 19 dans les dents de la gargouille. Tu l'as eu. Bien joué, Kernael. Je viens encore de prouver la supériorité des elfes sur les gnomes ridicules. Alors, vous avez décidé? Une salade toscane sans lardons ni anchois, mais avec des capres et de la pancetta, et la sauce dans un bol à part. Hein? Ben, moi aussi. C'est exactement ce que je voulais prendre. C'est marrant, ça, hein? La voie est libre. La porte de la citadelle est devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Montre-nous tes talents, Griboulette. Ouvre-nous cette porte et surtout, n'oublie pas de détecter les alarmes. Vas-y, jette 2 D10. 43, bon, ok. Tu ne détectes rien. Ah, tant mieux. Bon, ben, j'ouvre alors. J'avais détecté aucune alarme! Bah oui, mais t'as raté! Quel boulet, ce gnome! Hé! Hey! Bon, maintenant vous entendez des pas, des squelettes rapiques. J'ai une idée complètement dingue. Si on se parlait, c'est triste les repas silencieux. Ok, lance un sujet de conversation. Alors moi, déjà, j'aime le ski, l'odeur de la sciure, les images au ralenti dans les documentaires animaliers et les bonbons au goût très chimique. Et toi? La danse contemporaine, l'odeur des vieux livres, la coiffure du mec de Téléachat et le mot polystyrène. J'oubliais, j'adore les westerns aussi. Ah, quel genre de western? Bon, vous avez bien bossé. Griboulette, tu peux venir, il n'y a plus d'ennemis. Vous avancez et vous arrivez au pied du donjon maléfique. Mais là, pas de porte. Que faites-vous?
On n'a qu'à faire grimper la gnome, comme ça, arrivée en haut, elle nous lancera une corde. Enfin, et si elle y arrive? Nia, 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 je vais te montrer. C'est bon, Griboulette, tu peux commencer à grimper. Oula! T'as failli t'écraser. Lance à nouveau le dé, attention, fais pas un trop gros chiffre. 95, ah, pas de bol, tu tombes dans le vide. Oh non! Non seulement elle est gourde, mais en plus elle est maladroite. Génial, Kernaël! Faut bien l'aider, cette pauvre Griboulette, toute seule, elle n'arrive à rien. C'est ce qu'on va voir, on peut jouer là? Je grimpe, j'arrive en haut du donjon et je déroule une corde. On aurait mieux fait de prendre un orque avec nous. Les gnomes, ils ont deux mains gauches. Bah, c'est-à-dire qu'elle est seulement niveau 2. Tu m'étonnes, elle n'a même pas d'arme digne de son. Eh ben justement, j'ai une dague. Et tu peux pas faire ça? Je vais me gêner. Hey, roleplay les gars, ok? C'est donjon, je peux faire ce que je veux. La rivière rouge, c'est bien, mais Rio Bravo, c'est mieux. Je préfère largement la prisonnière du désert. Tu m'étonnes, c'est un pur chef-d'œuvre, comme la charge héroïque. Je l'ai vu 16 fois. Ah, c'est Richard, il m'attend chez lui, je dois y aller. Faudrait pas louper le début du match, tu vois. Ah, on se reverra peut-être. Peut-être, oui. Allez, ciao, Mina. Ciao. À la morée. Je n'en reviens toujours pas. T'as tué nos persos. Vous l'avez pas volé. Longtemps. Le temps d'oublier cet horrible après-midi. Tu m'as humiliée devant l'amour de ma vie. Ce n'est pas moi, c'est mon personnage. Les elfes détestent les gnomes. Je n'y peux rien si tu n'es pas faite pour les jeux de rôle. Allez, quoi? C'est quoi le taco? Bah, ça indique les chances que tu as de toucher un adversaire pendant un combat. C'est calculé en fonction de ta classe, de ton niveau et de tes caractéristiques. Plus ton taco est bas, meilleures seront tes chances de toucher l'adversaire. Tu comprends? Non. Oh, oh, oh non, mon cher Piotr. Les skips ont sans doute demandé aux arbitres de mesurer la position des pierres. Effectivement, plus. Quel plus. Salut. Oula, au son de ta voix, je sens que ton après-midi avec Tristan a été un fiasco. Exact. Mais comment t'as fait pour deviner? J'ai juste dit salut. C'est mon super pouvoir de super copine. Et toi, tu dis rien? C'est bizarre. Oh, t'as craqué pour Pépo, c'est ça? Hein? Tu vois, on dirait que toi aussi tu l'as, ce super pouvoir. Allez, raconte, raconte! Thank you.
Ça avance de ton côté? T'as plié le linge? Cool, tu passes l'aspirateur maintenant? Tu feras gaffe, hein? Je crois que le sac est plein. Faut peut-être le changer. Non? Ça te dit si à midi on mange le chat avec de la gelée de groseille? Ah bah d'accord, je vois le genre. J'y crois pas. Il faut donner 2 cristaux magiques à Protox pour passer les portes de la jungle maudite. Oui, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? À part rester allongé, rien justement. Quoi? Tu plaisantes? Je viens de trouver la solution pour passer le 3e tableau de Super Dario. Et moi, je viens de faire une semaine de vaisselle Super Crado. T'as trop assuré, bien joué, Louloute. Pour fêter ça, je propose pizza royale chez Gino. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que j'en ai marre. Marre de faire le ménage toute seule, marre des jeux vidéo et marre des pizzas, voilà. Marre des pizzas? Pas de problème. Gino, c'est le roi des spaghettis. En fait, je crois que j'ai envie de changer d'air. Ouais, bon, c'est décidé, je vais passer le week-end chez Mina. Ah bon? Ok. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Je sais pas, moi. Le ménage. Tu veux rester tout le week-end, t'es sûre? Ben oui, pourquoi? Ça t'embête? Moi, non, au contraire. Mais c'est toi qui risques d'en avoir marre. Mais non. Bah, j'ai une compétition de danse demain matin et puis il y a mes parents. Oui, bah tu sais, chez moi, ma mère est scotchée à sa console toute la journée, il y a de la poussière partout et rien dans le frigo. Ça peut vraiment pas être pire. Pas sûr. Enfin, c'est toi qui vois. Bienvenue. Mademoiselle. Merci. Décidément, j'adore chez toi. C'est toujours propre et bien rangé. Zen, quoi. Dis, maman, Lou peut passer le week-end avec nous? Bien sûr, mon cœur. Lou, tu aimes le somtam? Le som quoi? Le somtam, ce sont des petits morceaux de papaye verte mélangés avec des cacahuètes, des fruits de mer séchés et des légumes. Le tout servi avec une vinaigrette épicée, du riz gluant et du poulet grillé. Waouh! Ah, le four est chaud. Déjeuner dans 12 minutes et 45 secondes, les filles. Sidera, la baroudeuse du cosmos, avait décidé d'affronter cette nouvelle épreuve. Elle allait enfin se poser sur la planète Infector et éliminer la vermine qui régnait en maître depuis trop longtemps. Yeah, à nous deux la crasse! C'était délicieux, Joss. Et aucune portion ne dépassait les 254 kilocalories. Bien, voyons le programme de votre après-midi. Je vote pour sieste devant la télé et grignotage de gâteau au parc. Ou l'inverse, ça me va aussi. Tiens donc, formidable idée, Lou. Mais j'avais déjà prévu quelque chose. La visite de l'exposition de l'artiste Dean Van Ho. Et ensuite, Mina ira à son cours de danse. Départ dans 7 minutes et 20 secondes. Ben quoi, t'aimes pas les expos? Les expos aussi. Mais les expos avec ma mère, c'est spécial. Par la dramatisation des scènes, la simplification, voire la caricature qui caractérise son œuvre, Dean Van Ho renoue avec l'expressionnisme tout en s'intégrant à l'art moderne. Comme vous pouvez le constater vous-même, les filles, ce tableau représente quelque chose de fondamental. Un coquelicot? Pas du tout. Il représente avant tout un tournant dans la carrière de l'artiste. En effet, Dean Van Ho a totalement intégré la notion d'avant-garde. Je te l'avais dit. Par les artistes dans leur priorité donnée à la recherche. Hey, t'es ronchon, toi. Elle est passionnée, c'est génial. Moi, je trouve ça intéressant, en plus. Bon, venez les filles, allons voir la salle avec ses œuvres de la période tardive. C'est encore plus fascinant. Allô? Main, c'est moi. Tout va bien? Ça avance côté ménage? Oui, impec. Et toi, ça va? Super, on sort d'une expo et là on va au cours de danse de Mina. Ok, génial, amusez-vous bien. Je ne voudrais pas te mettre la pression, Mina chérie, mais c'est le dernier entraînement avant la compétition. Merci, maman, je suis au courant. Je passe vous chercher dans 1 heure 10 précise.
Dis donc, on peut dire que tu t'ennuies pas le week-end, toi. Et encore, celui-là, il est cool. Tu veux pas qu'on aille s'acheter un goûter? Non, la prof n'aime pas qu'on soit en retard. Oh là là, l'autre, elle va me faire croire que son cours de danse, c'est l'armée. Je vous rappelle que les guêtres de danse ont une longueur réglementaire. 10 cm au-dessus du genou. Pas plus, pas moins. Que je suis encore en retard pour le loyer. Vous êtes encore en retard pour le loyer. Bien, ok, entrez. Je vais vous faire un chèque. Allons bon, vous avez encore essayé de cuisiner? Non, pourquoi? Ça sent le brûlé. Ah, c'est pas possible. Oh non. Le t-shirt fétiche de Lou. Ça, c'est la tuile. Allons, allons, il suffit de le rapiécer. Rapiécer? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le recoudre, quoi. Ah! Mais je sais pas coudre. Ni passer l'aspirateur, ni cirer les parquets. Je voulais que l'appartement soit tout propre au retour de Lou. C'est raté. Oh, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Le ménage, c'est bête comme chou. Et je suis sûre que vous êtes plus doué que vous ne le pensez. Vous croyez? J'en suis persuadée. Je vais vous montrer. Commençons par les carreaux. Qu'est-ce que vous utilisez pour les laver? Ben, la pluie. C'était lamentable. On dirait une bande d'hippopotames en basket. Enfin, ça ne sera jamais pire que la semaine dernière. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tu vois, elle trouve que vous avez fait des progrès. Elle est positive, en fait. Dites, madame, vous pensez qu'on a une chance de gagner la compétition demain? Est-ce que j'ai une chance de rajeunir? Bon, te laisse pas abattre. Allez, viens, je te paye un banana split. Ok. Mina chérie, j'ai 1 minute 57 d'avance. Je vous attends dehors. Bon, petit questionnaire, truc et astuce. Que faire lorsque sa bouilloire est attartrée? On la jette. Oh, on la passe au vinaigre. Que faire avec de vieux draps usagés? On les jette. Faux. On les découpe pour faire des chiffons. Que faire avec de vieux pots de yaourt usagés? Attention, il y a un piège. On les garde. C'est sympa pour faire des maracas. Faux. On les jette. Je vous l'avais dit, j'y connais rien, c'est sans espoir. Allons, ne vous démontez pas pour si peu. Vous voulez faire un grand nettoyage, oui ou non? Ben, oui. Alors, on va s'y mettre. Et ensemble, on va y arriver, d'accord? Vous allez m'aider? Oui. Allez, au boulot. Moi, je m'occupe du salon. Et moi? Vous allez rouler toutes vos paires de chaussettes en boule. Ok. Ça, je dois pouvoir y arriver. Il est 19h30, le dîner est servi. Ça sent bon. C'est encore du somtam? Non, le soir, c'est plat unique sans viande. Légumes vapeur, tofu et riz blanc. Je peux avoir un peu de beurre? Tu es sûre? Tu sais que c'est plein de graisse animale très mauvaise. Ah bon? Ben non alors. Pauvre gamine. Il y a un problème, Robert. Oui, je veux du beurre moi aussi. Jamais, c'est mauvais pour ton cholestérol. Si j'en ai, c'est à cause du stress. Et tu veux savoir ce qui me stresse? Je suppose que c'est moi, c'est ça? Parfaitement. Eh bien, pour une fois, tu as le courage d'exprimer clairement tes opinions. Oui, et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Eh bien, vas-y, je t'écoute, on a toute la soirée. Alors, ça roule? Bah, en fait, j'ai des tas de chaussettes, mais pas deux de la même couleur. Et vous, où vous en êtes? J'ai presque fini la poussière, mais à vous de m'apprendre une astuce. Comment on nettoie ces bidules? Oula, ça se nettoie surtout pas, ça! Mais qu'est-ce que c'est? Ma console! Ben, allons bon! À quoi ça sert? À jouer à des jeux. Des jeux vidéo. J'en peux plus. Je t'avais prévenu. Dis, si on se regardait un film maintenant, j'ai des chips dans mon sac, ok? Un bon vieux film d'horreur, ça te va? Ok. Allez, les filles, les dents et au lit. Au lit? Mais il est 20h30. J'ai ma compète de danse demain matin. Mina, n'oublie pas de mettre ton réveil à 6h. 6h? Tu sais, si t'as envie de partir, je t'en voudrais pas.
C'était sympa, Mina. Vraiment, ça m'a bien changé les idées. Mais t'as envie de retrouver ta maman cool et ton chez-toi tranquille. Je te comprends. J'ai trouvé les cristaux magiques! Oh, Lou! T'es déjà là? Je vais t'expliquer. J'ai voulu faire le ménage, je te jure! Ah, c'est vrai, je confirme. Elle n'a pas réussi, mais elle a essayé. Mais c'est elle qui a voulu jouer. Ah, c'est vrai, je confirme. Alors, on a commencé une partie. Je confirme. Elle voulait découvrir Protox. Un seul personnage, ce Protox. Enfin bref, avec tout ça, j'ai pas pu ranger. Oh non, t'es encore fâchée, ma louloute? Pas du tout. À vrai dire, je suis même drôlement contente d'être de retour. Super. Mais alors, où tu vas? Chez Gino, chercher une pizza royale pour fêter ça. Ok. Allez. Oh non. De bord du Zixornufle. Dérivons dans le vide sidéral depuis maintenant 8 jours. Le moteur est définitivement grillé. L'espoir que j'avais de le réparer m'a abandonné. C'était Sidera, baroudeuse du cosmos, commandant et unique membre d'équipage du Zixornufle, présentement à la ramasse. Non ? Coucou, je te parle là. Qu'est-ce que tu fais ? T'es en pleine inspiration? Bof. Le moteur du Zixornufle est à plat. Ah ouais, je vois. C'est pas toi qui serais un peu à plat, plutôt? Ouais. Oh, je sèche un peu sur mon roman, j'ai pas d'idée, je tourne en rond et du coup, ça me pompe mon énergie. Et sans énergie, eh ben, j'ai pas d'idée. Ok, ok, ok. J'ai saisi le concept. J'imagine que t'as besoin d'un déclic, d'une étincelle. Allez, Jean-Pascal, fais la toupie. Recule. Passe entre mes jambes. Fais le beau. Allez, avance. Saute. Tu sais quoi? Tu es vraiment désespérant. Salut, Lou. Dis-moi, il sait faire des tours, ton chat? Bah, il peut se lécher le dos et mettre ses pattes au-dessus de ses oreilles, mais à part ça, rien de très spectaculaire. Ouais, ok. Sinon, quoi de neuf chez toi? Déprime totale, ma mère est en pyjama, tout amorphe. Ouah, t'en as de la chance. Mina chérie, tu viens avec moi faire un squash? Deux secondes, maman. J'arrive. Ta mère, faut la sortir, Lou. Quelle voix du monde. Tu crois, toi? Ouais. Et ton nouveau voisin, le fameux prince charmant? Ça pourrait la motiver d'avoir un amoureux. Peut-être. Mais concrètement, je fais quoi? T'organises un plan coup de foudre. Tu veux dire comme dans un téléfilm romantique? Pareil. Ils se rencontrent, soi-disant, accidentellement. Et là, paf! Coup de foudre. Ok, je vais essayer. Après tout, j'ai rien à perdre et moi, je déborde d'énergie. Bon, je te raconterai. À plus, Mina. Allez, Jean-Pascal, vas-y, fais-moi voir comment tu grooves. Allez, bouge ton corps. Go, go, go! Mmh.
alors, les idées, ça fuse? Ouais, ouais, je suis à fond là. Ouais, t'as l'air. Et moi par contre, j'ai une super idée. Si on faisait un gâteau? Oh, bah zut, c'est la misère ça. On a ni œufs, ni beurre, ni crème. Ni sucre, ni farine, ni levure. Bah, on va pas aller loin avec ça. Bon sang, mais je suis nunuche moi. On a qu'à aller chez le voisin. Il va se faire un plaisir de nous dépanner. Ça se fait, non, entre voisins? Non. Allez, allez, allez. Une bonne douche et ça te donnera la frite pour faire notre gâteau. Mais quel gâteau? J'ai pas du tout envie de faire un gâteau. Très bien, on va trouver autre chose. Bouge pas, je reviens dans 5 minutes. Tu bouges pas, hein? Voilà, voilà, j'arrive. Tiens, salut petite voisine. Tu tombes bien, je voulais te remercier de m'avoir aidé pour mon emménagement. Oh, c'était rien. Au fait, je m'appelle Lou. Enchantée, moi c'est Richard. Richard, j'adore. Waouh, c'est trop romantique. Quoi? Hein? Non, rien. Dis, tu t'y connais en électricité? Voilà, c'est cette lampe. Elle a fait paf d'un coup et après pouf, plus de lumière. C'est l'ampoule qui a grillé, quoi. Il faut la changer. Oh, ça doit être drôlement compliqué. Il suffit de dévisser l'ampoule grillée et d'en visser une neuve à la place. Je vais jamais y arriver, hein, c'est sûr. Donne-moi une ampoule neuve, je vais le faire. Génial. Une seconde, le temps d'aller à la salle de bain. Oh. C'est là que on range les ampoules. Ok. Maman! Maman! Mais... j'avais dit une douche, pas un bain. Allez, sors de l'eau, faut que tu t'habilles, j'ai besoin de toi. Oh non, je suis hyper bien, ma louloute, je me détends. En sortant, j'aurai la frite, tu vas voir. Bon, ben, désolé, on est à court d'ampoule. C'est pas grave, je repasserai quand tu en auras acheté une, ça va? Ok, ça marche. C'est bon, j'ai une ampoule neuve. Et moi, j'ai un gros paquet de linge sale. Je passerai chez toi, en revenant de la laverie. Maman? Maman, je... Bah, maman, mais qu'est-ce que tu fabriques? Fini le bain relaxant. Allez, te laisse pas abattre, je vais tout ranger. Et toi? Pendant ce temps-là, tu vas aller à la laverie sécher tout ça. Quoi? Mais je... Tu préfères rester ici et tout nettoyer? Jean-Pascal, et prends-en de la graine. Hey, alors, ça avance l'histoire d'amour de ta mère? Écoute, il y a eu quelques imprévus, mais à l'heure qu'il est, elle doit être en train de plier des culottes en papotant avec Richard. Waouh! Meuvla, je viens pour réparer la lumière, comme promis. Génial. T'es tout seul?
Tu sais, pour changer une ampoule, je pense que ça devrait suffire. Je veux dire, t'as croisé personne à la laverie? Bah non, pourquoi? Oh, pour rien. Ma mère devait y aller aussi. Non, non, j'ai vu personne, désolé. Oh. Attends-moi, je reviens. Mais, et l'ampoule neuve? Sur le bureau! Maman, allez, réveille-toi maintenant. Hein, quoi? Oh, Lou, ah ben ça alors. Quel rêve. Figure-toi qu'une sorte de jardinier en guimauve m'accusait de lui avoir volé son emmental, hein. Et à ce moment-là, il m'a attaché avec des saucisses. Oh. Et il m'a menacé en pointant un savon de Marseille pour me faire avouer. Il est parti. Qui ça? Dis donc, t'as vu? La lampe s'est réparée toute seule. Oh, oh, je vois une louloute qui n'a plus d'énergie tout d'un coup. Tu sais ce qu'il te faut à toi? Un coup de foudre? Ah, non, une gaufre au parc. Hey, Mina. Alors, ta mère et le voisin, ça marche ou pas finalement? Non, la vie, c'est pas aussi simple qu'un téléfilm romantique, hein. Je croyais que tout allait super bien, qu'ils pliaient des culottes ensemble. C'est ce que je croyais. Mais en fait, ils ont fait que se croiser toute la journée. Et sans se voir. Ah ouais, bah cool. Attends, il se passe un truc, je te rappelle. Vous savez, moi, j'adore me promener dans ce parc. Je verrai si vous serez amené. J'en suis sûre. Je te présente Richard, notre nouveau voisin. On se connaît déjà. Lou m'a appelé au secours pour changer l'ampoule de votre bureau. Ah, alors c'était vous. Vous êtes bricoleur en plus. Oui, enfin, je sais changer une ampoule, quoi. Mais c'est génial, ça. Je pense que je vais faire souvent appel à toi. À vous. Et vous savez où me trouver? Bon, ben, à plus. À plus. Et voilà l'histoire, il y a eu coup de foudre. Comme dans un téléfilm romantique. Exactement, tout pareil. Et maintenant ma mère écrit mais comme une dingue. Elle a jamais eu autant d'énergie. Chérie, prends ton maillot de bain. Il y a nocturne à la piscine du club. Je vois tout à fait le genre. Bon, allez, je te laisse. À demain. Prince Fulgor, besoin d'aide étrangère? Je suis Sidera, baroudeuse du cosmos. Mon vaisseau est en panne depuis 9 jours. Rassurez-vous, je suis un peu bricoleur. Génial. Je sens que je vais souvent faire appel à... Dorénavant, vous saurez où me trouver.
Salut, toi. Beau, tu sens pas super bon. Mais bon, t'as l'air sympa. Allez, Zou, retourne d'où tu viens. J'ai du boulot, moi. Oh. Tiens, ça devrait te faire du bien. Oula. Hé, hey, doucement. Wow, t'as pas mangé depuis quand? Hey, salut Mina. Salut, ça va? Tu tombes super bien. Ah bon, pourquoi? Tu devineras jamais qui vient d'arriver chez moi. Tristan. Mm-mm. Le prof de maths. Mm-mm. Johnny Depp. Mm-mm. Mm-hmm. Incroyable! Un chat? T'as un chat, toi, maintenant? Il s'est incrusté. Le problème, c'est que maman va faire une attaque. Ouh. Hey, elle adore les animaux, non? Ouais, sauf les chats. Ah bon? Ça date de quand elle était petite. Un jour, elle jouait tranquillement dans le jardin à Mortebouze. Tout d'un coup, elle a vu passer un chat tout mignon. Elle a voulu le caresser, mais le chat s'est sauvé. Et il est monté direct en haut d'un arbre, tu vois. Du coup, ma mère, elle a grimpé pour rejoindre le chat, tu comprends? Mais ce chat, en fait, il était pas trop sympa. Il lui a déchiqueté la main, le chat, sous le coup de la douleur. Ma mère, elle est tombée de l'arbre, pile dans une flaque de boue. Aïe, la tuile! Tu m'étonnes. En prime, elle a pris une fessée pour avoir abîmé ses vêtements. C'est pour ça qu'entre elle et les chats, c'est la haine. Dur. Et là, au fait, elle est où? Elle fait du shopping. Elle a décidé de changer de look. Encore? Bah ouais. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous être utile? Oui, voilà, j'aimerais changer de look. Il me faudrait de nouveaux vêtements. Ça tombe bien, on en vend. Oui, bon. Vous préférez quel style? Ben, en fait, j'aimerais quelque chose de féminin, mais quand même pas trop. Je ne suis pas non plus, vous voyez, quoi. Je veux dire, ce qu'il me faudrait, ce sont des vêtements qui fassent jeune, mais qui me donnent une certaine maturité. Et surtout, un truc assez habillé pour que je puisse le mettre tous les jours. Je vois que madame sait ce qu'elle veut. Et toi, t'aurais pas envie d'adopter un chat? Avec Jean-Pascal, t'es dingue! Il est hyper jaloux comme chien! Non, ce qu'il faudrait, c'est le refiler à quelqu'un. Oh, j'ai une idée! S'il vous plaît. Oh, magnifique! Ouais, c'est pas mal. Un peu strict, peut-être. Et puis, ça me vieillit, non? Et c'est un peu serré à la taille. Et puis, j'aime pas trop la couleur. Non, non, je vous assure, c'est nickel! Ouais. Finalement, bof, je vais essayer autre chose. Prenez votre temps. T'es sûre de toi? Sûre. Ah. Madame Chiume, c'est l'amie des bêtes. Elle recueille tous les animaux errants. Qu'est-ce que c'est? Vous venez payer le loyer? Non, c'est moi, Madame Chiume, c'est Lou. J'arrive, ma petite, j'arrive. Bonjour. Voilà, on a trouvé un petit chat et on se demandait si vous pourriez pas l'adopter. S'il vous plaît. Il est à qui, ce chat? Ben, comme on l'a Et trouvé... comment il s'appelle? Oui, ben, je sais pas. Il est propre, au moins. J'en sais rien. Bon, d'accord, je le garde. Alors, on est un bon chat-chat. Ah, voilà. Tu vas te plaire ici. Tu as plein de nouveaux copains. Oui. Je te présente ta nouvelle maison. Oula, doucement. Mais n'aie pas peur. Reviens, Minou, reviens. Minou. Il a filé. Tant pis pour lui. Il a vraiment un caractère de cochon, ce chat. Allez, viens, fais pas cette tête. C'est sûrement mieux comme ça, avec ta mère et tout.
qu'il a dû repartir chez lui? C'est pas ce que tu voulais? Oh, dingue! Il est revenu! Génial! Mince alors. Bon, cette fois on va l'attraper et le donner à quelqu'un qui saura s'y prendre avec lui. Hé! Où tu vas? Viens ici! J'y arrive pas! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça se porte comme ça. Vas-y, coince-le. Caramba! Encore raté. J'ai une autre idée. Je vais louer un costume de souris et... N'importe quoi. Et si t'avais été plus adroite pour l'attraper aussi? Oh, ça va, hein. Si tu le prends comme ça, je te laisse te débrouiller toute seule. Attends, je m'excuse, là, voilà. Bon, ok. Mais si tu veux capturer ce minou, tu devrais faire appel à un professionnel. Mais qui? J'en sais rien, moi. Un gardien de zoo ou un dompteur? L'ancien de l'immeuble! Il était dompteur? Non, mais je crois qu'il a passé une partie de sa vie en Afrique et il paraît qu'il aurait capturé des milliers d'hippopotames. Quoi? Ben oui, c'était son métier. Là-bas, il était... des hippopotameurs. Ah! Oh, superbe! Ah oui, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Alors? Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger. Voilà, j'ai un petit problème. Figurez-vous qu'il y a un chat chez moi. Il est en train de squatter. Mais en même temps, j'ai pas envie de le chasser. Mais il y a ma mère, elle s'achète des fringues. Elle déteste les chats. Et du coup, il s'est planqué sous le lit. Alors, j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Et j'ai imaginé qu'avec votre passé en Afrique, vous auriez pu nous aider à l'attraper. Et... Oh. Hey, où allez-vous comme ça? La chasse aux félins est ouverte. Restez ici, camarade. Ça peut être dangereux. Vous savez, c'est juste un chat. Ce n'est jamais juste un chat. Il m'a donné du fil à retordre, mais je l'ai harponné. Qu'est-ce que vous allez en faire? Le garder, c'est justement l'ingrédient qu'il me manquait. L'ingrédient? Monsieur, attendez. Oh, salut Louloute. T'aurais dû venir avec moi. Je me suis éclatée. Ben, c'est quoi cette tête tristounette? Rien. Faut que j'y aille. Salut Mina. Salut. Bon, moi je rentre. Salut. Tada! Ben non, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. C'est juste que... Ah! Quoi? Là, il y a un... Il est monté sur... Ah non, je déteste les... Hé! Je ne veux pas de cet animal ici! Non, il ne peut pas rester! Ah! Attends, je vais le faire sortir. Ah, c'est vous, monsieur.
Dis donc, l'ami, t'aurais pas vu mon ingrédient? Il a filé comme un lâche. Il y a du nouveau, monsieur, on a décidé de le garder, en fait. Ah bon? Dommage. Enfin, si vous changez d'avis, faites-moi signe, et avant la prochaine pleine lune, si c'est possible. En Super 4, tir au flanc, ou la flaque, ou le boulet, ou Brandon 8, Hulk, Nyarlathotep, Kid Gérard. Petit jasmin. S'il te plaît, maman. Eh, ça t'ennuierait de m'aider à lui trouver un nom? Je cherche, je cherche. Petit, petit, petit. Mon beau Elvis. Chachoumou. Ah non, j'ai trouvé. Super Satori. C'est bien ça? Bof. Pas que t'es en bas de chez moi, que je suis encore en retard. Je suis en bas de chez toi et t'es encore en retard. Bon ben, donne-moi 5 petites minutes, j'arrive. 5 minutes, pas une de plus. Alors, qu'est-ce que devient la princesse Caroline? Ah, t'es pas au courant? Bah non, malheureusement, j'ai pas eu l'autorisation de regarder la télé hier soir. Tu vas halluciner! Elle se jette dans le volcan en fusion en chantant à Diego qu'elle l'aimera jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est vraiment romantique. Mina! Bah alors, t'aurais pu m'attendre, non? Quoi t'attendre? Je fais que ça, figure-toi. Depuis le début de l'année, je t'ai attendu 342 minutes en bas de chez toi, ok? Hey, c'est pas une raison pour pas répondre au téléphone, je voulais m'excuser. Peut-être, mais moi j'en ai plus qu'assez. J'avais pas envie de te parler. Ah ouais? Ouais, et d'ailleurs là, j'ai plus envie de te parler du tout, ni en vrai, ni au téléphone. Tiens, c'est nouveau ça, plus jamais? Non, plus jamais, c'est clair? Tu parles? C'est impossible, tu pourras pas tenir. Je suis prête à parier que tu vas m'appeler dans les 2 heures pour papoter. Hein? Je suis pas du genre à craquer. Dans 2 heures, c'est toi qui laisseras des messages sur mon portable en me suppliant de te rappeler. C'est ce qu'on verra. Bonjour. Non, ce mercredi, nous allons parler de la guerre froide. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Capitaine, il est de mon devoir de vous informer que les huguelons de la planète Horde m'ont inoculé un virus qui me pousse à raconter systématiquement n'importe quoi. Parfait, sergent Pock, mais il est de mon devoir de vous informer à mon tour que je ne suis que le balayeur de ce sous-marin nucléaire. En tant que balayeur, il est de mon devoir... Il semble que... Sergent Pock, il est de mon devoir. Ah, tu es rentré.
Ça va? Lou? Coucou! Tout va bien? Tout va très bien. Juste un truc, je veux plus jamais parler à Mina. Tu as vu, Mina? Ils ont enfin sorti le fameux téléphone portable qui fait en même temps PDA et GPS. Avec ça, tu pourras organiser ton planning tout en sachant au centimètre près où tu te trouves sur la planète. Tu peux le passer à la broyeuse, ton fichu catalogue. Regarde les photos, au moins, elles sont superbes. Je n'ai plus besoin de ton portable, terminé. Mina, tu comptes déprimer combien de temps? 10 minutes? 20 minutes? Je ne voudrais pas que le dîner soit trop cuit. Je ne déprime pas. Bon, ok, je crois que je vais plutôt commander des sushis. Oh, et puis, c'est vrai, mince, après tout, j'ai pas besoin de l'appeler tout le temps comme ça pour lui raconter tout ce que je fais, hein. Ça, c'est vraiment dingue. Elle m'a pas encore appelée. En plus, là, je fais rien du tout. Et elle, tu crois qu'elle fait quoi, là, par exemple? Si ça se trouve, elle fait rien du tout non plus. N'empêche, elle pourrait quand même m'appeler pour me le dire. T'y crois, toi? Yes! Numéro masqué? Allô? Mina chérie, c'est moi. Je vais commander des sushis. Tu veux des makis California ou des brochettes? Allô? Allô? Ou des sashimi si tu préfères. Tiens, tu souris maintenant. T'as un service à me demander? Moi? Oh... Oui! Est-ce que tu peux appeler la mère de Lou, histoire de savoir ce que fait mon ex-copine? Capitaine, en tant que balayeur, il est de mon devoir de vous démettre de vos fonctions, car un, on ne peut décemment pas confier le commandement d'un submersible truffé d'armes tactiques à un type qui croit aux uglons. Maman, tu pourrais appeler Joss pour... Allô? Oui, bonjour, c'est Joss. Joss, quelle surprise! Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Bah, pas trop mal. Bien, et Lou? Ça va aussi. Enfin, je crois, oui. Et Mina? Et Mina, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Bon. Et ton mari? Comment... Ah oui, Robert. Robert? À vrai dire, la dernière fois que je l'ai vu, c'était... mardi matin à 10h15. Il travaille beaucoup, c'est ça? Oh, je m'en fiche de Robert. Demande-lui ce que fait Mina. Demande-lui ce que fait Lou, bon sang. Il travaille énormément, oui. Et comme nous n'avons pas les mêmes horaires, on ne se parle plus. On ne fait que se croiser. En fait, vous vivez ensemble, mais pas dans le même espace-temps. Et Mina, alors? Hé, hey, n'oublie pas Lou. Maman! Tu vois pas que je suis au téléphone? Bon, j'ai compris, je laisse tomber. Je vais promener Jean-Pascal. Ok, d'accord, je vois le genre. Je crois que je vais aller faire une petite balade, moi. J'ai vraiment besoin de prendre l'air. Maman, c'est encore toi? Oh, mais non, mon roudoudou, tu ne me déranges jamais. Ah oui, moi aussi tu me manques, je t'embrasse. Allez, bisous, 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 bisous. Attends, je dois te laisser, j'ai un double appel. D'accord, mes bichettes, je te rappelle tout à l'heure. Oh, mon adoré, c'est bon, on peut se parler. Absolument que je sache ce qui s'est passé. Ah, non. Elle serait trop contente. Faut que je raconte ça à Mina. Yes. Oh oh, c'est que j'ai failli craquer, moi. Ça lui ferait trop plaisir. Non. Oh, après tout, tant pis. Je dois savoir. Stop. Mina, t'es une fille forte. Range ça dans ta poche et n'y pense plus. Ça va?
Tu m'étonnes, tu parles que ça va. Tu sais pas ce qui vient de m'arriver? Ne me dis rien, laisse-moi deviner. T'as vu la pub pour les super promos aux galeries, c'est ça, hein? Un truc comme ça, franchement, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Viens, on y va ensemble, ça ferme dans 2 heures. Ok, désolée, j'ai pas le temps en fait. À plus. Hey Gino. Ciao mia cara. Gino, il vient de m'arriver un truc carrément trop sombre. Ah si. Ouais, imagine, j'étais là dans la rue comme une pauvresse à ruminer et tout d'un coup, paf, le voilà. Non. Si. Oh, il était beau comme Rimbaud et il s'est approché. Non. Si. Et quand il s'est retrouvé devant moi, j'ai senti ses bonnes ondes m'envahir. Tu vois le genre de feeling dont je te parle? Non. Et alors, j'ai compris que c'était un vrai juglon de la planète Oort. Non. Ok, t'écoutes rien du tout de ce que je te dis, en fait. Ah si. Mais c'est compliqué de faire 2 choses en même temps, non? Si. Lou, j'ai... Et dis donc, ma pizza, Vésuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Ça vient, signore Verdier. Presto subito! Ciao, Mina. Va bene? Ciao, Gino. Dis-moi, Lou serait pas venue te raconter un truc, là? Bah, si. Un truc super important. Si, importantissimo. Super. C'est quoi? Raconte. Mais elle a ruminé des bonnes ondes de Rimbaud et alors il s'est approché des zouglons. Enfin, je crois. Il faut que tu arrives à goupiller des petits moments sympas, rien que Robert et toi, tu vois? Tu veux dire aller au restaurant, par exemple, rien que lui et moi, sans les collègues? Bah oui, ce serait cool, non? Oui, pourquoi pas. Faut que je vois si c'est compatible avec nos agendas. Absolument que je te raconte, hier il m'est arrivé un truc trop dingue, je peux pas te dire. Ah, bah ne me dis pas alors. J'ai croisé Tristan, t'imagines? Non, raconte. Allez. C'était trop ultra romantique. Il m'a dit, fais gaffe, il y a ton portable qui est tombé par terre. Alors moi j'ai répondu, bah non en fait j'ai rien répondu du tout, j'ai bafouillé un truc incompréhensible. Non. Si. Ensuite il m'a aidé à le ramasser et il m'a dit bye bye. C'est génial, absolument génial. C'était trop super chouette. Tu m'étonnes. Ce qui est trop super moins chouette, c'est nos mères. Ah, ça c'est vrai, elles ont passé la nuit au téléphone. Elles vont devenir accros, hein. C'est grave quand même d'en arriver là. Ouais, grave. Ouais.